Le traitement déjà n'est pas égal. Ah bon? Ouais, le traitement Pourquoi? n'est pas égal dans la mesure où déjà quand on a un handicap, les gens n'ont pas la confiance qu'ils peuvent avoir des personnes valides. Si je peux. Déjà, j'arrive à l'Institut des aveugles fin 2005 Qui se trouve où? L'Institut des aveugles? à Yopougon, Yopougon? Oui, je vois. voilà, non loin du Sable. Quand Oui, c'est j'arrive, ça. je trouve sur place un groupe musical composé de non-voyants. Et qui évoluait déjà, j'intègre vite le groupe puisque la musique c'est ma passion. Quand j'intègre le Le groupe groupe qui s'appelait? Destin de Gloire. D'accord. En 2007, on est contacté par une maison de téléphonie mobile, par la femme d'un grand monsieur ici en Côte d'Ivoire, qui décide de nous produire. Bon, je ne sais pas si c'est possible de dire les noms. Oui, tu dis les noms, rends Voilà. hommage et puis. On est produit par Madame Jean-Louis Billon, D'accord, ok. qui était à l'époque présidente de la Fondation Orange D'accord. France. Voilà, elle était venue faire des dons à l'Institut, elle est tombée sur le groupe, elle a aimé, elle nous a produit. On fait un album, on commence à tourner, on a des marraines, des parrains, on fait des salles. Voilà, et on intègre l'école de Marie-Rose Guiraud À la Palmeraie, là. à la Palmeraie, par le bien de Santé, Santé qui est une Camerounaise, grande chanteuse aussi. D'accord. Voilà, qui décide de travailler avec nous. Là-bas, on monte une comédie musicale. Ah ouais. Après, ça débouche sur un concert au Palais de la Culture à la 1500 places, bien Wow. rempli. Bon, je vois que vraiment, on tournait bien. Mais étant le plus jeune du groupe, je n'avais pas beaucoup d'accès, en fait. Et juste, permets-moi de te couper, les membres du groupe, il y en avait combien? On était 27. 27. Donc, Ouais. du coup, la question pertinente que je vais poser, est-ce que tout le monde avait le même handicap? Bien sûr. D'accord, ok. Puisque c'est à l'Institut des Il aveugles. y avait des malvoyants et des D'accord. non-voyants. Parce que les malvoyants, ce sont des personnes qui voient un peu. D'autres D'accord. voient plus près, mais ne voient pas de loin. D'autres voient de loin, mais ne voient pas de près. D'accord. Et puis, il y a ceux qui ne Et voient pas ceux qui du ne tout. voient rien, voilà. D'accord. Ok. Donc en 2009, le groupe commence à À se mousser. disloquer. À Non. disloquer, à se Ouais, parce disloquer. que quand on arrive, il y a d'autres qui étaient déjà avancés dans les études. Parce que pendant qu'on chantait, on faisait les études. D'accord. Donc, d'autres commencent à aller travailler, d'autres prennent la vie d'un autre côté. Et c'est là, mon directeur m'appelle, me dit, je sens que tu as quelque chose en toi, n'abandonne pas la musique. Ok. Donc, quand ça Et commence ce ainsi, directeur, on peut lui rendre hommage? Comment oui, il. Monsieur Tu te Poku rappelles le. Anzoumana, c'est le directeur de l'Institut. D'accord. Un grand monsieur, Jusqu'aujourd'hui ou. oui, jusqu'à D'accord. aujourd'hui, c'est un monsieur qui vraiment a un grand cœur. En tout cas, c'est un père. Il a beaucoup fait pour Max Mello. Donc, vraiment, c'est son conseil qui m'a encouragé et j'ai continué. Donc quand il y avait la cérémonie à l'Institut, c'est lui qui m'imposait. J'ai joué devant les ministres qui Tout venaient rendre seul. visite. Oui, Dès 27, tu te retrouves seul. je me retrouve seul. D'accord, ok. Et c'est là, je joue, je joue, je joue. En 2010, voilà, au lycée moderne de Yopougon-Ndo, quoi, le lycée qui m'a vu faire le collège, c'est là-bas que je fais la rencontre de mon proviseur qui, elle aussi, me donne son approbation, son encouragement. Et puis, bon, du coup, elle me faisait jouer devant les élèves quand il y avait les kermesses, devant des milliers d'élèves, où j'étais toujours en train de lever la foule. Ça m'a donné confiance en moi. Et puis, bon, j'ai vu que tout seul, je pouvais faire mon chemin. Voilà. C'est là que j'ai décidé de créer vraiment ma carrière solo. Wow, d'accord. Et aujourd'hui, tu as des nouvelles des autres? Oui, l'année dernière, bon, on avait organisé une sortie, des retrouvailles, on s'est bien amusé. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Ils tous m'encouragent. Quand ils me voient à la télé, ils sont contents. Quand ils entendent parler de moi sur les médias, ils sont contents. Et aucun des 27 n'a continué dans la musique. Aucun. Aucun. D'accord. Wow. Et la question que je me pose. Quels sont les challenges en tant que. Alors, tu as parlé de variété. Moi, j'ai dit Zouglou, artiste Zouglou. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit à l'intro ou pas. Donc, finalement, c'est la variété. Ok. Sachant que le Zouglou chanté d'une manière peut être également peut-être assimilé à une certaine sorte de variété. D'accord. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est malvoyant dans le show business? S'il y en a, s'il n'y en a pas, on passe. Il y en a assez. Le traitement déjà n'est pas égal. Ah bon?
Ouais. Le traitement n'est pas égal dans la mesure où, déjà, quand on a un handicap, les gens n'ont pas la confiance qu'ils peuvent avoir en des personnes valides. C'est-à-dire, même quand on doit utiliser quelque part, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'avec lui, ça ne sera pas compliqué? Donc, il y a ce, il y a ce blocage-là qui fait que on n'est pas traité de façon égale. Vous savez que le showbiz en Côte d'Ivoire, déjà même, c'est difficile d'avoir un producteur, un manager, surtout quand on n'a pas encore véritablement décollé. À plus forte raison, un non-voyant. Quand le producteur doit se prendre, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que lui, là, s'il le prend, est-ce qu'il peut faire mon affaire? Est-ce que ça ne sera pas un investissement cadeau? En fait, on ne regarde pas ton talent, mais on regarde plutôt ton handicap. Ça veut dire l'handicap déteint sur ce que tu as comme capacité, en fait. Je vois. Et c'est ça le plus vrai problème qu'on rencontre. D'accord. Mais quand tu dis, est-ce qu'il va faire mon affaire? Est-ce que c'est dans le sens le talent ou est-ce que c'est pour d'autres choses, d'autres raisons? Bon, ça dépend de celui qui vient produire. Hein. D'accord. Voilà, si le gars n'a pas autre idée derrière la tête, ça, on peut parler du talent. C'est au niveau du talent. Est-ce qu'il est productif? Est-ce que son déplacement ne sera pas compliqué? Est-ce que les gens ne vont pas dire qu'il bouffe son argent? Bon, il y a des gens qui arrivent à se poser ces questions. Hein. D'accord. Voilà, tout ça. Donc, quand ils disent est-ce qu'il va faire mon affaire, on n'est vraiment pas dans le. On n'est vraiment pas dans le comment dire, dans l'enjeu du talent. Le talent y est, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Mm-hmm, ouais. D'accord. Parce que sur un plateau, je ne sais plus lequel, et même si je savais, je ne le dirais pas, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, est-ce que tu sais combien tu gagnes? Par exemple, lorsque tu vas prester, il y a encore toujours on va dire ce challenge de savoir quand un artiste finit de prester, est-ce que tous les travaillements ont été déclarés, est-ce que tous les travaillements sont rentrés dans l'ordre. Toi, Max Mello, aujourd'hui en tant que non-voyant sur une scène, quand tu finis ta scène, est-ce que tu sais combien tu gagnes? Bon, moi je vais pour une fois être clair sur cette question. Vous savez, une bonne fois pour toutes. Ouais, une bonne fois pour toutes. On est dans un milieu où c'est la bonne foi des gens qui parlent. Que tu sois non-voyant ou pas non-voyant, si ton manager ou bien si ton staff veut te voler, le staff te volera. Voilà. Parce que pendant que l'artiste est en train de prester, lui n'a pas le temps de regarder tous les travaillements qu'il verse. En tant qu'une star, il dit travaillement dans notre jargon, quoi. C'est ça, oui. Voilà. Travaillement qui est le fait de faire donner plaisir de l'argent, à l'artiste. Voilà. Et il n'a pas le temps de suivre tout ça. Et même s'il voit des gens en train de lui donner beaucoup d'argent, il ne peut pas ramasser. Ce sont ces gars qui ramassent, en fait. Et quand ça finit, l'artiste ne va pas venir sur le champ compter l'argent avec son staff. Lui, il va à la voiture comme une star. C'est les autres qui comptent et qui viennent lui faire le point de ce qui est rentré comme argent. Donc là, ils ont même la latitude de le voler s'ils veulent bien le faire. Donc c'est la bonne foi. À plus forte raison, un non-voyant. Quand tu marches avec des gens, c'est leur bonne foi qui parle. Les gens qui marchent avec toi, ils savent que tu ne vois pas. Ils ont la latitude de te voler. Si tu voles, c'est avec Dieu. Si tu ne voles pas, c'est avec Dieu. Voilà. Donc, on ne va pas se baser sur le fait que parce que Max Müller est un non-voyant, donc est-ce qu'on ne le vole pas? Même une personne valide peut travailler avec des gens qui ne sont pas honnêtes et puis vont le voler. Je suis complètement d'accord avec toi parce que lorsque je regardais cette émission, c'est exactement la même chose à laquelle j'ai pensé. C'est parce qu'on est non-voyant, comme je le dis, il le disait tantôt, quand on est non-voyant, ou du moins quand on a un handicap, tout déteint sur le handicap. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les capacités, on ne voit plus tout ce qui peut entourer ta musique, mais on se base plus sur ton handicap en fait. C'est d'accord. Pourquoi les gens se posent cette question en fait. D'accord. Parce qu'effectivement, même quelqu'un qui voit, quand tu es en train de prester, forcément tu ne peux pas avoir une vue sur... Donc, c'est vraiment basé sur la confiance. Alors, ceux qui t'ont donné ne vont pas venir après te dire « moi, j'ai donné tant ». Tout le monde ne va pas venir te dire « moi, j'ai donné tant, moi, j'ai donné tant ». Sauf si c'est ton gars sûr qui peut venir après te dire « ah, Max, pendant que tu prestais là, j'ai déposé peut-être 500 000 francs, j'ai dit n'importe quoi, est-ce qu'on t'a remis ?» Voilà, si c'est ton gars sûr, là, il peut venir te dire « mais sinon, c'est pas ça là ». Tu pourrais vérifier si... les travaillements ont été au-delà de 500 000. Tu dirais que lui tout seul, s'il a donné ce montant, je dois au moins avoir ça. Parce que même si une personne déclare, si tout le monde ne vient pas déclarer, tu ne peux pas savoir. Donc moi, je pense que tu as totalement raison et c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu l'émission, c'est que tout revient à la confiance. La bonne foi.
Voilà. Et puis, le boss n'y est pas. J'aimerais bien dire une petite parole. Oui, vas-y. Tu vas amener les gens à analyser beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand un non-voyant est en train de marcher, si son pied tape un caillou, on dira que c'est parce qu'il ne voit pas qu'il a cogné. Par contre, quand c'est une personne valide, tu marches et tu heurtes un caillou, on dit « Ah, il n'a pas vu ». Il n'a pas vu. Vous voyez comment les gens pensent.